Une autre chose que je voulais vous montrer, donc là moi j'ai une version R110. Donc j'ai essayé la R135 qui pousse vraiment fort, vraiment très très fort. J'étais vraiment surpris. Et je me suis dit, ouais, sur la R110, je vais être un peu hein, peut-être déçu en cas de dépassement ou quoi que ce soit. Et honnêtement, j'ai pas de soucis. J'ai doublé des voitures très très facilement, même sur autoroute. Alors elle est bridée à 140, clairement. Mais bon, ça permet de doubler sans problème quand on traîne un peu sur un côté. Et pour l'accélération, eh ben, on va faire une petite démo. Donc là, je vais passer dans le mode où je consomme énormément. Ça consomme beaucoup de faire ça. Mais ça vous permet de voir déjà que quand même, elle part assez rapidement. Voilà, démonstration faite. J'ai évité tous les trous sur la route, donc je suis plutôt content. J'ai pas cassé la voiture. Voilà, tout ça pour vous dire que soyez serein, vous pourrez doubler sans problème une voiture. Voilà, il y a juste sur autoroute, il faut se méfier. Le 140, ça peut, des fois, ça peut surprendre certains quand on ne sait pas qu'on veut doubler rapidement et que la voiture, tout d'un coup, à 140, elle se met à presque à ralentir et du coup, on n'avance plus du tout. Donc voilà, faites juste attention à ça.